je vais faire un peu d'humour. Le premier match, on avait le public, donc on avait l'essence, mais on n'avait pas la voiture. Ce soir, on avait une voiture, mais on n'avait pas d'essence. Donc il manquait un petit peu de... C'est un peu d'humour, mais oui, notre public nous a manqué, mais c'est toujours très difficile de jouer un match préliminaire de tour de Champions League sans le public. Et c'est vrai que c'est un facteur important, surtout quand on joue au Mouloudia, mais ce soir, je dirais que les garçons ont continué dans la... dans la même dynamique, en étant sérieux, appliqué, concentré. On s'est créé de nombreuses situations et occasions de but. Et je suis content sur les deux matchs, c'est quatre buteurs différents. Le premier match, c'était deux nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Et ce soir, c'est des joueurs qui sont déjà au club depuis au moins la saison dernière. Un joueur d'expérience, Bayazid. Et puis, je suis très content que Oussama Ben Hawa est marqué ce soir, ça va lui faire beaucoup de bien. Il sait tout le bien que je pense de lui. C'est mettre aussi en avant la jeunesse, puisque Oussama est avec nous depuis la saison dernière et il sait tout le bien que je pense de lui. C'est un super garçon et il travaille beaucoup et un très bon joueur. Donc ça va lui donner plein de confiance. Mais c'est une victoire collective. J'ai trouvé mon équipe concentrée à vouloir bien défendre ensemble face à cette équipe de Watanga qui se connaît parfaitement. J'ai la sensation que c'est une équipe, je l'avais dit lors de la précédente conférence de presse, je crois qu'il y a 7 ou 8 internationaux du Liberia. Je les félicite parce que c'est une équipe difficile à manœuvrer, qui fait beaucoup d'efforts, qui est très engagée physiquement, qui fait un marquage individuel tout terrain tout au long du match. Et on a vu, on a pris beaucoup de coups. Dans l'impact, ce n'était pas facile. Mais les garçons ont fait le nécessaire pour gérer les deux matchs, que ce soit à l'aller à Nelson Mandela et ce soir